Bonjour, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la pollinisation manuelle des courgettes. Là. Donc comme vous le voyez, je vais récupérer la fleur mâle que j'ai coupée. Tac. Voilà. Suffit. Ouais, voilà. Je vais accompagner mon caméraman. Hein. Bonjour caméraman. Je suis pas ton caméraman. Tac. Donc là ce que je vais faire. Tu pourrais regarder un peu plus par là s'il te plaît. Merci. Tac. Donc là, je vais enlever les pétales. Je t'accorde encore 3 minutes. Tac. Vous voyez? Donc là, on a l'étamine. Je crois que c'est ça, d'ailleurs. Tac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans la fleur femelle. C'est bon? Tac. Et là, on va essayer de frotter un peu partout là, sur la fleur femelle, là. Là. Puis là, il n'y en a plus beaucoup. Non, et il n'y a plus trop de poils. Donc on va quand même essayer d'aller en faire une deuxième. Tu vois. Hop. Voilà. Donc ce que j'aurais pu faire également, c'est que j'aurais pu essayer de récupérer vraiment les. Encore 2 minutes. Oui. Récupérer encore vraiment. Enfin, mettre un marquage, mettre la pince à linge pour éviter que la fleur s'ouvre. Mais là, pour le coup. J'ai pas plus envie de le faire que ça. Mais bon, je pense pas qu'elles aient été vraiment pollinisées, donc. De toute façon, c'est pas très grave. Le but, c'est juste que ça grossisse. Vous voyez? Là, à la fin, il reste plus grand chose. Je suis pas vraiment sûr qu'elle ait été pollinisée, celle-là. On va continuer encore. Voilà. Et puis, vous voyez, j'ai trouvé la méthode. Je peux filmer en grand. J'espère que ça sera plus agréable pour vous, enfin, d'ailleurs. Ouais, bah moi j'ai toujours filmé comme ça. Hein. Je pense que ça doit être la fin de la vidéo, là, non? Bah ouais. Ouais. Bah de toute façon, il reste 1 minute 10 que je t'accorde. Oui. Bon, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Allez, bye, à jamais. Et à bientôt. À jamais. Allez, bye bye. À jamais.